La valija viajera de pasaporte, de bazar, de todo lo que hacemos juntos, hay muchas preferencias. Las tenemos que ocultar porque si no, alguien nos va a decir, ¿y cómo no me eligieron a mí? ¿Por qué no yo que soy museo? Pero el Orsay nos atrae. El Orsay es una síntesis, tiene que ver con mucho, todo bien exhibido, todo bien planteado, circuitos que nos llevan por la historia, por el mundo del arte, y continuamente se renueva. El coleccionismo ha despertado un renovado interés, fuente de estudios, exposiciones y publicaciones. Paul Signac es un verdadero caso de escuela. Refleja la perspectiva, los egos de un artista particularmente activo y una escena artística de su tiempo en su poder, en su coleccionismo. Permite establecer un preciso inventario de pinturas, dibujos y grabados que le pertenecieron. Fue un gran coleccionista. Y por ejemplo, Georges Seurat, Camille Pissarro también le interesan a otros artistas. Pierre Bonnard, y veremos poco a poco incluir en esta lista a personajes muy famosos. La colección tiene sorpresas, como un hermoso carboncillo de Odilon Redon. Y en este video, concéntrense, porque hay dos exponentes mayores dentro de la colección, Van Gogh y Edgar Degas. Las relaciones que Signac mantuvo con esos dos pintores permite esta transferencia documental hoy en día. Au Salon des Indépendants de 1887 est exposée La nuit étoilée de Vincent van Gogh. Signac est alors l'un des seuls à repérer le talent du jeune peintre hollandais. Quand Signac et Van Gogh se rencontrent, il y a quand même une grande intensité dans leur conversation. Ils vont beaucoup marcher du boulevard de Clichy à Asnières pour aller peindre et ils discutent le coup sur tout le trajet. Et Van Gogh est tellement passionné qu'il a ses pinceaux à la main et apparemment il envoie de la peinture sur tous les passants. Donc on peut imaginer que les conversations étaient passionnantes et que Van Gogh n'était pas en reste, c'était pas un taiseux comme Seurat. Néanmoins, c'est vrai que Van Gogh est quelqu'un de plus torturé, de plus angoissé, et que le caractère de Signac, qui lui donne l'impression d'être très sûr de lui et très solaire, va beaucoup l'aider. Malgré cela, le 23 décembre 1888, à la suite d'une dispute avec Gauguin, Van Gogh est retrouvé dans son lit, l'oreille gauche tranchée. Après l'épisode de l'oreille coupée, Signac va voir Van Gogh en Arles. Ils iront tous deux visiter l'atelier de Van Gogh, qui, comme celui-ci est un cerné, a été mis sous scellé par la police. Ils feront sauter les scellés malgré la police. Et Van Gogh est manifestement très heureux de cette visite de Signac. Van Gogh montre ses tableaux. Signac rassure Théo Van Gogh, le frère du peintre, par une très belle lettre par la suite. Vincent Van Gogh lui-même écrit également à son frère qu'il a eu un échange magnifique avec Signac et qu'il a rarement eu un échange aussi calme, aussi serein avec un impressionniste. Van Gogh va le remercier avec une toile qui représente deux harengs. Et c'est un clin d'œil qui rappelle l'atelier forcé, parce que les harengs, eh bien, c'est le surnom qu'on donnait aux gendarmes à l'époque. Et les gendarmes n'ayant pas pu les empêcher de pénétrer dans l'atelier de Van Gogh, eh bien, ils lui donnent cette nature morte, les deux harengs. Bon, il y a aussi d'autres points de qualité esthétique qui ont sûrement retenu l'attention de Signac. D'abord, l'accord bleu et jaune, qui est vraiment un des accords favoris de Van Gogh et des néo-impressionnistes. Et puis aussi, cette espèce de simplicité radicale dans la composition, très japonisante, qui est aussi, là aussi, l'un et l'autre collectionnent les estampes japonaises. Et c'est encore un point qui rapproche Vincent Van Gogh et Paul Signac. Et cette toile sera un témoignage de ce moment d'amitié très intense. Signac, toujours prompt à lutter contre les injustices, verra parfois ses engagements mettre à mal sa collection. Notamment au moment de l'affaire Dreyfus. Et Signac, qui était un immense admirateur de Degas, va vraiment être déçu, je dirais, par le parti pris de Degas, qui lui se montre tout à fait anti-Dreyfusard. Signac est indigné et vraiment, il est spontanément du côté de Zola et de Dreyfus.
pour plusieurs raisons. Il est plutôt sarcastique et hostile à l'armée. Lui-même a épousé une femme qui est juive, donc l'antisémitisme a de quoi le révolter. Et surtout, il rencontre Camille Pissarro qui lui confie que depuis que l'affaire Dreyfus a éclaté, eh bien, Renoir et De Gagne ne lui adressent plus la parole. Pissarro est juif, évidemment, et Signac est vraiment heurté par cette attitude. À tel point d'ailleurs qu'il avait obtenu un somptueux dessin pastel de Degas, qui était vraiment un des fleurons de sa collection. Mais il a besoin d'argent, il sait qu'il va devoir faire des travaux sur le long terme parce qu'il a acheté cette maison à Saint-Tropez et qu'il veut l'agrandir et qu'il va probablement devoir se séparer d'une œuvre. Quelle œuvre choisit-il ? À ce moment-là, dans un moment d'humeur probablement, il décide de se séparer de cette œuvre de Degas et il va le regretter plus tard et il achètera d'autres œuvres de Degas mais moins importantes parce qu'il aura moins de moyens.